trip, la web série reggae. Boum. People I can't hear, but time goes steady. We want fair. Yes, when they come, they are LFT. They can't see Patton, they don't touch me. So I pass down and I pick up. Bonjour, je m'appelle Geoffrey Derriot, je suis chargé de production chez Tonnerre Productions, l'association issoldunoise qui organise donc cet événement Issoudun Reggae Temple, la troisième édition, qui a eu lieu cette année donc le 21 novembre 2015. C'est donc un événement qui accueille 3000 personnes, 6 artistes. Dans la programmation, nous avons donc Danakil, Lee Scratch Perry, Yanis Odua, Nahaman, Pierre-Paul Jacques et Otik Yttrium. On peut dire que ce festival commence à avoir une renommée, on va dire, régionale. On est bien content. Le public a l'air bien heureux. Il prend plaisir. Dans cet événement, on essaie de proposer autre chose que des concerts. On propose un village du monde avec différentes animations, un chamboule-tout, un merchandising un peu élaboré avec une décoration particulière. Il devait y avoir un cracheur de feu, il n'y a pas eu de cracheur de feu à cause du temps. Mais voilà, c'est un événement qui n'est pas forcément qu'un concert, c'est une sorte de festival d'été qu'on rentre dans une salle en automne-hiver, voilà tout simplement. Yes, hi, nous sommes avec Otik dans le Caravan Road Street. Merci à toi d'être venu nous rejoindre. Déjà, merci pour ceux qui ne te connaissent pas, on va te laisser te présenter un petit peu. Parle-nous un petit peu de toi. Alors, Otik Yttrium, c'est tout d'abord à la base un musicien. Hein, qui a fait pas mal de musique, clavier, guitare, multi-instrumentiste. Et je me suis ensuite tourné sur tout ce qui est sound system, surtout via en fait les rave parties. Ok, ouais, d'accord. Où je me suis rendu compte que du coup il y avait gros sound system mais qu'ils savaient même pas d'où ça venait. Donc du coup moi j'ai eu envie un peu de mettre la puce à l'oreille à tout le monde et du coup là où je me suis tourné sur plutôt de la jungle, du reggae, des choses comme ça. Ok, ouais, d'accord, très bien. Voilà. Yes. Tu as des projets futurs peut-être pour la suite, pour 2016 notamment? J'ai un album qui est en préparation. D'accord. Parce qu'en tant que DJ, c'est pas tout le temps évident de se mettre en avant. Ouais, donc du coup, vaut mieux faire un album pour présenter vraiment ce qu'on fait. Ça permet aussi de pouvoir le mixer soi-même, s'auto-mixer, ce qui peut être assez drôle. Quoi. C'est clair, ouais, surtout en tant que DJ, c'est intéressant. Quoi. Voilà, ouais. Exactement. Donc un album à suivre. Sûrement CD, vinyle, pour que je puisse le travailler aussi, yes, moi, sur mes petites platines, quoi. Je te remercie de nous avoir répondu à ces petites questions. Ben, et puis on aura la chance de te voir sur scène en début de soirée. Yes. Et voilà. Yes, et tout le long de la soirée. Voilà, les, c'est ça, exactement. Voilà. Et ben, bon concert à toi, et puis merci d'être là. À bientôt. Yes. Yes. La web série reggae, boum. Resistance for one I know now. Go for my delight. I see the slop and I say so Babylon. I run down, see the stone is growing around. Salut Nahaman, merci d'être venu dans la Caravan Road Street, merci à toi.
Tu as sorti récemment, il y a même pas un mois, ton dernier album, Ray of Resistance. Quel premier bilan tires-tu de cet album en très peu de temps? En très peu de temps, tu veux dire là les feedbacks, voilà, le premier feedback qu'on a eu, on est très contents, très satisfaits. On s'attendait à, tu vois, à ce que les gens soient un peu choqués parce qu'on a fait pas mal de changements. Tu vois, on a vraiment creusé les styles qu'on aimait. Contrairement au premier album, on était vachement restreint. Et on s'attendait à ce que pas mal de personnes lâchent le truc. Tu vois, ils se disent bon, nous on aimait le Naman énergique. Du coup, celui-là, on le met de côté, mais en fait, pas du tout. Les gens ont suivi, ça nous a assez, étonné même, tu vois. On s'attendait vraiment à des retours assez négatifs et vraiment, on a eu une grosse vague de retours positifs. On était très surpris et on est très, très contents. Ouais. Donc, tu vas promouvoir cet album sur cet hiver. On a vu que t'avais quelques dates de prévues. Et donc, notre question, c'est est-ce qu'on aura la chance de te voir cet été sur les routes? On sera sur les routes. Ouais. Après, je sais pas quel festival encore, je sais pas trop te dire, mais on va essayer de se faire une petite tournée d'été, forcément. Quoi. Ouais. Et représenter l'album sur les festivals, c'est toujours un kiff. Carrément. Who know what the longer that shoulder that meaner line goes? Back speech in our back for them full of flows, yeah. Reality me like a losing team each far. Not for them a line, not for them each part star. They won't change way, they come to lock way. They wanna put me on the ground and if I know we got the lion in way. Be all my friends with my enemy, me pass the same energy. We shoot deep in a me and yes, my man is down to dust. I will link up to the ground and say no one can curse. Cause me roots them above and the love we got could I hear. Got a like a lump, so them not like me. What we a say? Real talk, man, and you speaking all the truth, now you're full confused. God bless my way. Please tell me, Luke. I said, come tell me, Luke. Watch them, my weapon, if them sharp like a knife. Coulda hurt a man or rise and next you to life, yes. Give it to the wise man, him go come on and strive. But if you're wrong, rule the beast, because he will become right. I choose to keep them flying over them road. Let's match be your wings, then boom. Man, I feel even what the fiends claim. I know you could keep flying over them road. Even if I know they might go come dead. Can you really live with them, then? Them not like me. Ton précédent album, tu l'avais enregistré en Jamaïque. Je pense que pour un artiste reggae, enregistré là-bas, ça doit être quelque chose de très fort, je pense. Parle-nous un petit peu de cette expérience jamaïcaine. Ouais, c'était la première fois que j'allais en Jamaïque, tu vois. Je revenais des îles Vierges à l'époque, donc j'avais passé un mois et demi aux îles Vierges. J'ai enchaîné direct avec la Jamaïque et ça a été une super bonne expérience dans le sens où on a rencontré des vraies légendes de la musique, des gars qui avaient vraiment apporté, qui avaient joué un grand rôle dans le reggae qu'on écoute. Et donc ça a été une bonne expérience pour ça, on a appris beaucoup. Au-delà de ça, ça nous a conforté dans notre confiance, tu vois, ça nous a conforté dans notre, je veux dire, dans nos goûts musicaux, tu vois, dans mes lyrics, Fat Babs dans sa musique. C'était une bonne expérience. Ouais. On a vu entre ces deux albums qu'il y a eu un petit projet avec deux potes à toi. Parle-nous un petit peu de ce projet. Comment c'est venu la rencontre avec ces deux messieurs? Massi et Triple, donc deux gars que j'ai rencontrés. Bah, la première fois que je suis allé en Jamaïque, j'ai rencontré Massi. Quelques semaines après, j'ai rencontré Triple par la même occasion. Et voilà, j'y suis retourné régulièrement. Je suis retourné tout seul. Il n'y avait plus Fat Babs et tout. Donc on s'est retrouvés à traîner beaucoup ensemble. Tu vois. Beaucoup freestyler, beaucoup parler, beaucoup discuter, beaucoup chiller. Et au final, on a fait ce morceau qui s'appelait Chill Out en Jamaïque. Donc, on l'a enregistré en Jamaïque. Ouais, okay. Et ils sont venus faire la tournée en France avec nous, du coup, suite à ce morceau. Et voilà, on était chez moi, on est resté, à l'époque, c'était un mois, ils étaient restés un mois chez moi. Et du coup, on a enregistré six morceaux, sans compter le Chill Out. Donc, il y avait Garden of Destiny qui est dans Rise of Resistance. Ouais, d'accord, ok. Et il y avait aussi les cinq autres morceaux qui constituent l'EP avec Chill Out. Donc, six morceaux qui constituent l'EP Know Yourself. Yes. Merci Naman, merci d'avoir répondu à nos questions et puis on se retrouve sur scène en fin de soirée. Yes. Merci à toi. Plaisir, big up. We'll be right back.
série reggae. Boum! Est-ce que ça va? Si j'étais né à la place voir le jour sous une autre lumière ou vivre plusieurs vies à l'intérieur d'une seule comme les poupées russes, est-ce que vous la chantez? Donc nous recevons Balik dans la caravane rose trip de Danaki. Merci Balik d'être avec nous. Avec plaisir. Voilà. Votre dernier album en date, Entre les lignes, est sorti il y a maintenant plus d'un an. Quel bilan tirez-vous de cet album? Très bon bilan. Il est sorti en février 2014. On termine la tournée là en novembre 2015. Donc ça fera pas deux ans, mais presque deux ans sur lequel on a défendu cet album sur les routes. Voilà, je crois qu'il a eu il a été très bien reçu. En tout cas, si je m'en tiens aux ambiances qu'on a encore aujourd'hui en concert, vraiment tout positif, quoi. Très content. Et on bosse sur le prochain déjà. Voilà. C'était ma question suivante d'ailleurs. Anticipation. Voilà. Votre tournée s'arrête donc la semaine, ouais. Dans 15 jours, la semaine prochaine, il me semble. Ouais, fin novembre. Voilà. On peut peut-être penser que Danaki sera en studio en 2016. Ouais, en fait, on a déjà commencé, on est déjà en studio, on avance. Donc, il y a beaucoup de musiques qui sont sorties, les textes qui suivent petit à petit. Et on espère sortir le prochain album dans un an pile, quoi. C'est-à-dire à hauteur de septembre-octobre 2016. Voilà, et recommencer à tourner un petit peu à ce moment-là sur le prochain disque, mais se faire une petite année, du coup, bien concentré là-dessus, ouais. Hypocrites et parasites finiront par nous voir grandir car sûrs de nos valeurs, forts et fiers de nos couleurs, nous restons debout dans l'arène comme le dernier gladiateur. Où sont les parfums sucrés de l'enfance? Où sont-ils passés lorsque tout était facile? Il n'y avait rien à penser. C'est tout ce qui était facile et devenu si fragile. À tous ceux qui n'entendent pas, laissez-moi vous le redire. La musique nous a séduits et nous sommes là pour la servir dans toutes les langues, pouvoir l'explorer sans limite, car lui mettre des frontières serait vouloir la servir. Méfie-toi de l'endroit où la confusion s'invite, car c'est souvent de là que la confiance s'effrite. Je laisse mon âme et ma conscience me dicter ma conduite, car les menteurs et les faux feront des bébés hypocrites. Où sont les parfums sucrés de l'enfance? Où sont-ils passés lorsque tout était facile? Mais dites-moi où sont les parfums sucrés de l'enfance? Où sont-ils passés tout ce qui était facile et devenu si fragile? La tournée de cette année s'est bien passée. Ouais, vous avez fait une belle tournée. Super, franchement, voilà, c'est moi j'aime beaucoup cette alternance de période en salle, en hiver. Voilà, on fait la sortie d'album officiel, on fait le tour des salles de France et puis vient le printemps, l'été, on passe en extérieur, il y a beaucoup de festivals aussi. On retourne en salle, on est retourné en salle ensuite à l'automne 2014, pardon, et puis on est reparti en festival en été 2015. Donc franchement, on a vraiment vu et vécu beaucoup de choses. J'imagine. Ouais, c'était mortel. Un bon très bon bilan. Ouais. Donc vous allez sortir un nouvel album, on a dit en octobre 2016, du coup. Par là, ouais. On a vu aussi que Naty Jean était peut-être sur le coup d'un album solo, un deuxième. Il est, je te confirme. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Ouais, il bosse bien dessus, ça avance bien aussi. On va voir comment organiser au mieux les sorties des projets les uns par rapport aux autres, puisque tout ça se passe sur le label Baco Records, donc le label du groupe. Oui. Donc voilà, on va scier ça, mais il y a beaucoup de projets sur le label et Naty Jean aussi, effectivement, travaille sur son deuxième album. Il y a déjà plein de super titres. Je pense que le public français, francophone et même d'un peu partout ailleurs va pouvoir vraiment apprécier. Ouais, cet on espère. On espère la suite de l'autre. Naty fait partie intégrante maintenant de Danaki. Ouais. Avec sa carrière en solo à côté, mais il est là à chaque fois. Parfait. Merci d'avoir été avec nous, Balik. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir. Yes. Merci à toi. Bon concert. Hypocrite, c'est ma galangue des mêmes. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui, personne n'est venu m'aider quand j'étais dans la merde, personne ne m'a attendu. Non mais les jaloux sont contents de se frotter les mains et me crachent dessus. Non, tu joues le mal à toi qui aime le mal, ta monnaie sera rendue. Aujourd'hui ou demain en petite coupe tu ne seras pas déçu. Je me fous de ta morale, de ton opinion et de ton avis qui pue. Les coquilles à plein nez, les pourparlers, faut pas les écouter. Ils répandent la rumeur pour t'enfoncer, de penser à penser. La web série reggae, boum! Pas en des personnes dans les baseline. Même si nous cas songer, qui mon grand-papa nous souffre pour s'attraper. Si bien liberté, j'ai eu t'es qu'est raché. Dis-moi nous vivons sans un morceau, t'es qui t'a nous voit dans le pays. Que y'a pour me foutre, j'aime tout le monde, nous l'a pour faire. Tout le monde, nous l'a pour dire. Si nous des bagailles, nous quand ouais, c'est à nous d'y réagir. Nous autres là-dedans, on l'a déjà, à tout ça nous finit. Faut que ça va qu'à faire nous, mais nous de bonheur, ça nous gagne. Yo Yanis, merci d'être venu nous rejoindre dans la caravane Road Trip. C'est merci, très sympa. Merci à vous les gars, merci de nous avoir invités pour partager ce moment ensemble. Non, c'est moi qui te remercie. Tu as sorti ton album Moment Idéal en 2013 et voilà, ouais, déjà. on avait envie de savoir comment s'était fait un petit peu cet album, quelles ont été tes influences sur ce disque. C'est déjà ton cinquième, me semble-t-il. Non, c'est le... Enfin, ouais, en comptant les albums solo même, c'est plus le troisième. Ah, après, effectivement, oui. J'ai participé à plein d'albums, plein de compilations, enfin, des petits concepts comme ça, mais donc qui font que il peut être considéré comme le cinquième, okay. Effectivement. Mais au niveau d'albums solo perso, c'est le troisième. Voilà. Et bon, l'influence de cet album-là, en fait, ça a été une volonté, en fait, de pouvoir réaliser un album live, surtout. Parce que c'était un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Et bon, là, comme j'avais l'opportunité de le faire, tout simplement, voilà, donc, bon, ben, on l'a fait. Et c'est sans regret. Le maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. J'aimerais m'en flotter dans les airs. Pour l'Obda. Merci beaucoup, Issouda. Le Temple Festival, oui, c'est. Gros big up à des macules aussi ce soir. Oh non. Oui, c'est. Bon, love, 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 love. Le maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. J'aimerais m'en flotter dans les airs. Comme le conquérant lion. De la joie, de la bonne humeur. Pour desserrer mes frères, le maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. Pour place au fond bleu, le rouge qui mon cœur à sa pareille bouche. Le Red Locks ne veulent pas dire que ce sont des Rasta. On met trop souvent l'amalgame en baba pour les Rastamans. Représentants de Tchad voudraient plus respecter ça. On essaie de suivre ces lois qui ne sont pas si dures que ça. Bon, Google Trade Zone, Aya, bon, il y a de la place pour toi. Si tes intentions sont clean, c'est le bienvenu, installe-toi. Tu vas finir cette tournée cet hiver justement. Quel bilan tires-tu de cette incroyable tournée? Eh ben, moi, le bilan que j'en tire, c'est que ça a été une tournée vraiment extraordinaire. Bon, si on doit lui donner un titre à cette tournée, je pense que le moment idéal, c'est porte bien son nom. Ouais. Ok. Vraiment. Ça a été un vrai moment idéal, quoi. Vraiment partagé du début, depuis la sortie de l'album jusqu'à. On finit le 19 décembre. Okay. Franchement. Bientôt. Au top. Au top, yes. Génial. Et donc ta tournée se termine, on peut peut-être espérer te revoir de nouveau en écriture très bientôt. L'écriture, ça va recommencer à partir du 20 décembre. Voilà. À partir du 20, une fois qu'on aura fini la tournée, parce qu'on a déjà commencé à enregistrer quelques nouveaux morceaux. D'accord, ok. On a eu une vingtaine de jours en août. De battements, donc on a profité de cette période-là pour pouvoir commencer à travailler sur des nouveaux morceaux. Et on a déjà des choses qui sont pas mal, qui nous donnent vraiment envie de continuer à travailler dessus, parce que
je pense qu'il y aura du bon son, quoi. En tout cas, au niveau musical encore, je pense qu'on va se faire plaisir. Bon, bah, et nous aussi, alors, du coup. Ah bah, j'espère surtout, quoi. Dans tes chansons, tu parles souvent des Caraïbes. Mmh. Qu'est-ce que ça représente pour toi, des Caraïbes? C'est mon berceau, quoi, voilà, tout simplement. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc j'en parle très souvent parce que j'essaye de partager mon univers, tout simplement, avec ceux qui ne connaîtraient pas, tout simplement, okay. par exemple. Ou alors, ceux qui connaissent, c'est un petit rappel. C'est une vibe partagée, quoi. C'est un peu de ma culture que j'essaye de présenter. Et d'où ce que j'aime en tournée, c'est de pouvoir rencontrer justement le maximum de personnes. Comme ça, il y a des échanges qui se créent. Et moi, je trouve que c'est ça qui est très enrichissant dedans, quoi. J'imagine. Ah, enfin. Yes. Merci Yanis, merci d'avoir répondu à nos questions. Mais merci à vous. Yes, on te souhaite un bon concert. Et puis big up à vous, merci. Surtout pour le travail que vous faites. Yes, c'est sympa. Et puis j'espère que vous allez durer encore longtemps, pendant des années, qu'on se reverra encore dans 10 ans. On espère aussi. Avec la grâce. Merci de ton soutien. Respect game. Yes. Blessing. Merci. Every day she do it time. Watch me up, you do it. Listen to the way them attack and watch the way them move. Watch the way them set the run in a khaki suit and getting on the boots. I fight them control the power, they my god, it from you. Till they really love the tree, it just not really do that. It's she boogie, my god, it's on ya. S.I.S. Vibration qui pour l'étrange un dédicat. Je ne lâcherai jamais le max, laissez ma touche. J'y redescends, pas la bataille dans les barrages. Viens profiter des bonnes temps. Je ferai le maximum de moi-même pour le road strip on the vibes. S.I.S. Vibration qui pour l'étrange un dédicat. Je ne lâcherai jamais le max, laissez ma touche. J'y redescends, pas la bataille dans les barrages. Viens profiter des bonnes zones. La caravane passe à ça, le partage dans les sons de système. Maximum de vibes dans tous les concerts et les events. Roule ta bosse, peu importe ce que l'on peut penser. Laisse-toi porter simplement par un rythme mec aéré. La musique cool, même les artistes défilent. Viennent crier leur culture et viennent prôner leur emblème. Nous ce qu'on aime c'est le mélange au cœur de toutes les racines. Ne prononce pas immigration, pas de saut dans assassine. J'aimerais le maximum de moi-même pour Root Street on the vibes. S.I.S. Vibration qui pour les frangins dédicat. Je ne lâcherai jamais le mic, laisserai ma touche, je redescends. Pas des bad boys dans les parages, viens profiter des bonnes. J'aimerais le maximum de moi-même pour Root Street on the vibes. S.I.S. Vibration qui pour les frangins dédicat. Je ne lâcherai jamais le mic, laisserai ma touche, je redescends. Pas de bad boy dans les parages, viens profiter des bonnes zones. Ne lâche pas le combat, ça peut prendre des siècles pour changer les mentalités. Ne baisse pas les armes, non. Les valeurs essentielles sont au fond de ton cœur. Again and again and again, non, ne lâche pas le combat. Ça peut prendre des siècles pour changer les mentalités. Ne baisse pas les armes, non. Les valeurs essentielles sont au fond de ton cœur again. C'est une vibe pour les soldats. Give me the more fire. La musique nous rassemble, on n'oublie pas nos horizons. Madame man sur le refa. Rub-a-dub sound killer. Kick the microphone again. Madame man sur mes rastas. C'est une vibe pour les soldats. Give me the more fire. La musique nous rassemble, on n'oublie pas nos horizons. Madame man sur le refa. Rub-a-dub sound killer. Kick the microphone again. Madame man sur mes rastas. Jamais le mic, laisserai ma touche, je redescends. Pas de bad boy dans les parages, viens profiter des bonnes ondes. J'aimerais le maximum de moi-même, le maximum de vibes. S.I.S. Vibration pour le road strip, viens représenter Sound of Man.